Et donc de retour sur Oxygen Not Included avec le cycle 192 qui arrive. On est toujours dans l'idée de percer ici pour accéder le plus vite possible à la surface. Alors même si on va pas creuser, on va pas accéder vraiment à la surface parce qu'on n'a pas le matos pour y survivre. Mais l'idée c'est d'explorer, voir un peu ce qu'il y a autour de notre base parce que ben là tout autour on a des gaz dégueulasses à gérer ou du slime pollué d'oxygène. Éventuellement on va s'occuper de toute cette zone mais après ça va être compliqué. Donc on va essayer de creuser vers le haut, de voir s'il y a des zones un peu plus vivables. Pourquoi pas un geyser d'eau, ce serait une bonne chose. Et puis voilà. Alors. Tu peux réussir à faire un cycle d'air fermé, donc voilà. On a effectivement l'agriculture. Donc on avait déjà de quoi planter des trucs, mais l'agriculture nous permet de faire des machines supplémentaires. Dont le frigo. Dont la ferme hydroponique, mais ça on va pas le. Ah quoique, on pourrait le faire éventuellement. Non, on va pas le faire. Oh, quoique. Je sais pas. Le truc qui serait intelligent avec la ferme hydroponique, c'est d'utiliser ce conduit là. Mince. Non, ce conduit-ci. Ah ouais, mais il faudrait péter. Donc le truc qui serait intelligent, c'est de construire des fermes hydroponiques ici. Parce que simplement, on a. Vous voyez le. Le filtre à eau, en fait, qui va nous traiter cette eau dégueulasse et qui va la ramener. Dans ce bac, donc devrait passer par ici. L'idée ce serait de le faire passer un petit peu plus bas pour mettre les fermes hydroponiques, donc les fermes vont servir en eau automatiquement, en souhaitant que le flux ici soit plus important que ce que vont consommer les fermes pour que l'eau aille quand même un petit peu dans le bac parce qu'ils en ont besoin pour faire à manger, etc. Donc ça pourrait être un plan à l'avenir, mais pour l'instant on va pas le faire parce qu'on a besoin de matériaux déjà pour finir ce qu'on a entamé. Pour tous ces tableaux ça c'est accessoire, mais c'est vrai que s'ils peuvent le faire, ce serait pas plus mal. L'agriculture nous donne droit encore à la ferme station et au fertiliseur. Donc voilà, vous voyez, utilise l'eau polluée donc pour faire du fertilisant. Et ici, qu'est-ce que ça fait alors? Ah oui, ici on en a besoin pour faire la greenhouse. Donc la serre. L'idée ce serait par exemple de fermer ici. De virer peut-être tout ça parce que ça pousse pas. Ici ça pousse pas à cause de la chaleur. Il fait 34 degrés, faut absolument baisser cette température, mais c'est très compliqué. Et donc voilà, pour avoir le bonus, alors vous voyez qu'il y a des salles en couleur, ce sont les salles qui obtiennent les bonus en fonction de, bah, par exemple ici les chambres, il y a un bonus de morale à condition que les critères de la chambre soient remplis, donc les critères sont affichés là juste en dessous. Et donc voilà, pour avoir un bonus ici d'agriculture, etc., de trucs qui poussent plus vite, eh bien il faut la greenhouse, et pour avoir la greenhouse il faut la farm station. Mais nous, ce qu'on voulait avec l'agriculture, c'est surtout le frigo, qui nous permet de conserver la bouffe un peu plus. Donc le frigo, il est là. Il n'est pas construit encore. Ouais, c'est ça, il y a des films qui vieillissent pas forcément très bien. Bon, l'histoire reste ce qu'elle est, hein, mais c'est sûr que les gamins qui... Bah les gamins ils sont sensibles à l'image, plus, enfin plus, pas plus ou moins que les adultes, mais un adulte va peut-être pouvoir se dire à un moment je vais avoir le recul de me forcer un peu à regarder des images qui me plaisent pas et pour aller chercher l'histoire qui elle me plairait. Qu'un enfant, a priori si ça l'attire pas visuellement,
probablement s'en foutre assez vite. Mais bon, j'imagine que t'as des programmes et que tu dois suivre des choses particulières. L'éducation nationale, est-ce qu'elle est ? Alors, attribut augmenté, c'est l'aile. Il gagne un petit point de tinkering. Ah, si tu peux passer les films, c'est que t'as fini le programme. Ok, je pensais que le film était dans le programme. Genre préparation au brevet ou quoi. Bon, c'est vrai qu'on entend un peu parler des mêmes auteurs depuis toujours, j'ai l'impression. On vit dans un Occident qui vit dans le passé. Enfin, c'est mélangé, c'est voilà, avec nos iPhones qui changent toutes les semaines. On vit pas dans le passé à ce niveau, mais. Au niveau de la culture, la nouvelle culture a du mal à se faire de la place. L'ancienne est très 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 mise en avant. Et salut à toi Nobody, bienvenue sur le live. Non non, la pitié n'est pas présente, il bosse jusqu'à la fin. Bah écoute, souhaitons que ça leur fasse du bien. Bah, c'est vrai que je garde pas personnellement un hyper bon souvenir des films comme ça que les profs nous imposaient. Nous imposaient ou nous proposaient, je sais pas exactement eux s'ils étaient dans le programme ou hors programme, j'étais pas du tout. Dans les petits papiers de ces profs-là, moi j'étais juste un élève à qui on disait « t'as un film » et à chaque fois on se disait tous « pour là là, bon mais au moins on bossera pas pendant une heure quoi ». Et c'est vrai que j'ai absolument aucun souvenir particulier de ces films qu'on a pu voir au collège. En revanche, voilà, une fois sorti, c'est plutôt au lycée où on s'intéresse un peu plus tous de notre propre chef à des choses, de la musique, du cinéma ou autre. Et c'est vraiment là que je me suis intéressé plus à ce qui se faisait. J'arrive en pleine introspection, non, je suis en train de discuter avec Florent. Florent qui va faire voir le masque de fer à ses élèves. Je suis prof d'histoire, donc si le film évoque bien le passé, ça me va. Alors effectivement, ça c'est aussi notre société aime bien l'histoire, quoi. Alors aime bien l'histoire, attention, d'un point de vue professionnel, si vous faites fac d'histoire, il y a des débouchés, mais c'est pas ce qui va être vraiment mis en avant. C'est sûr qu'on est plus dans le capitalisme, le brassage de pognon et le commerce. Il y aura plus de facilité là-dedans. Mais d'un point de vue plus sociologique, c'est clair qu'on a tendance à beaucoup aimer vivre dans le passé. En tout cas pour le moment. Mais voilà. Bon, bref. Ah là là, c'est jeune, ça manif pour l'écologie, mais ça fait des selfies avec des portables remplis de cuivre et de cobalt, bah ouais. Bon, c'est pas la première, enfin, des absurdités du genre, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Ça manif pour l'écologie, mais ça se bat quand on monte le prix de l'essence. Non, non, je veux pouvoir rouler avec ma bagnole et polluer.
N'augmentez pas le prix, sinon je pourrais plus polluer tranquillement. Pour aller bosser pour payer ma bagnole à crédit. Enfin bref, voilà. Des absurdités du genre. Nous en sommes friands et nous en sommes pleins. Je ne fais pas exception à la règle. Alors, on parle de tradition pour la vision passéiste de l'histoire. Ok. Je note. Après, attention, hein. Enfin, c'est vrai que tous les gens qui, bah justement, tous les gens qui voudraient être des militants à leur manière, etc., voilà, c'est là où l'histoire a son importance aussi. Et déjà, on peut parler de l'histoire très proche. Enfin, je sais qu'il y a eu des élections il n'y a pas très longtemps, où les gens s'indignaient de ceci ou de cela, sans pour autant se rappeler que d'autres élections étaient complètement similaires et pas si longtemps. Genre, il y a vraiment pas longtemps, quoi, quelques années, 2-3 ans maxi. Fin. Mais les gens voilà, ont tendance déjà à oublier ce qui s'est passé la semaine dernière, à oublier que l'iPhone 6 était sorti il y a à peine 2 mois au prix modique de 1 smic et demi. Bon, j'exagère, hein, je dis au pif. Je cite une marque au pif également. Enfin ouais, c'est le petit paradoxe de l'humain du 21e siècle maintenant. On vit dans le passé mais on n'arrive pas à se souvenir des trucs de la semaine dernière. On s'indigne de choses dont on s'indignait déjà il y a longtemps, tout en agissant au contraire des choses pour lesquelles on s'indigne. Bon, bref, le monde part complètement à volo. Il faut bien du courage pour garder la tête sur les épaules. Un smic à peu près. Bah écoute, aux dernières nouvelles que j'ai eues, je crois que c'était 1700 balles l'iPhone, et c'est même, voilà, c'est un smic et demi facile, quoi. Un peu plus. C'est dingue, c'est complètement dingue. Ah bon, en même temps, c'est dingue à notre niveau ici, mais c'est vrai que on va s'acheter une baguette de pain à 1€ ou quoi, et 1€ dans un autre pays, c'est une montagne. Donc un smic ici, c'est pas forcément un smic ailleurs, mais bon, ce serait bien d'adapter les objets au coût de la vie, quoi. Si on veut que la société avance, après, si on veut que la société reste avec son Nokia 3310 et vive avec sa tradition et son histoire, donc y a pas de souci, laisser les prix comme ça. Ça fonctionne très bien. Les gens ont toujours eu une mémoire sélective. Non, mais là, c'est pas de mémoire du tout, quoi. La mémoire sélective, c'est une chose, effectivement, mais ça implique que les gens se souviennent malgré tout des autres choses qu'ils ne sélectionnent pas. Or là, c'était pour le... Les gens ont complètement oublié... Il y a eu des européennes, là, enfin... Et les gens ont complètement oublié ce qui s'était passé dernières élections du même genre. Et s'indigne comme si c'était nouveau, que les choses se passent pas comme ils le souhaitent, alors que c'était déjà le cas avant, que les gens se sont déjà indignés avant. Bon, après, c'est aussi toujours un peu à la mode d'être, comment dire, de faire penser que sa revendication est nouvelle alors qu'elle existe depuis toujours. Enfin, la mode, c'est pas une mode volontaire, quoi, mais c'est vrai que c'est toujours... Enfin, bref, vous avez compris. On est riche tout en étant pauvre, car on n'a jamais assez d'objets. Bah, c'est un peu ça. La propriété est un fléau, pire que le traditionnalisme.
Mais en même temps, voilà, on a aussi tous besoin de notre jardin à nous. Même les bestioles ont des territoires. Et nous ne sommes rien d'autre que de grosses bestioles. Alors, on a un binge eater et un ugly crier. Et bien voilà, Marie. Ah, malheureusement, ça va pas être pour Maverick, ça. Marie, on va mettre Lyria. Elle me lira. Hop. J'aime vos clashs tout en douceur, mais c'est pas vraiment des clashs, enfin moi j'ai rien contre les gens et... Simplement voilà, j'essaie aussi d'être réaliste, lucide, disons, le plus possible. Et pour autant mon parti est pris dans toutes ces choses, mais... C'est vrai que, bah voilà, par exemple, hein, enfin, on peut mettre une manifestation comme les Gilets jaunes. Disons que si dans l'idée, le côté on protège le peuple est une bonne idée, il faut aussi choisir ses combats et protéger le peuple pour baisser le prix de l'essence, alors que c'est l'essence qu'il nous faut dans une galère tous pas possible. C'est peut-être pas forcément le premier combat à défendre, quoi. Pour moi, après, voilà, des tonnes de gens... se sont indignés, et la plupart des gens, je sais, ne se sont pas indignés pour juste baisser le prix de l'essence et pouvoir polluer plus. Mais pour justement ce combat plus global, en revanche, voilà, je suis un peu comme... enfin voilà, moi je suis de la philosophie de Deleuze et Guattari et Spinoza et Nietzsche et compagnie, et je suis pas pour les grandes révolutions. Je suis plutôt pour les actions... De moi-même vis-à-vis des autres, c'est au moins quelque chose que je peux contrôler et que je peux. Qui a son influence à une toute petite échelle, mais qui a un réel impact. Que là, les Gilets jaunes, on les a calmés par exemple en leur disant il n'y a pas de souci, on vous donne ce que vous voulez, alors qu'en fait, 6 mois plus tard, il y avait un vote qui allait les mettre dedans, sauf que la pilule est passée. Et voilà. Dans le cululu. Mais la conscience tranquille. On va manifester le dimanche pour aller travailler le lundi comme si de rien n'était, quoi. Et ça, c'est pas mon truc. Mais voilà, après, il faut aussi... le coup des manifestations du dimanche, c'est aussi... comment dire... Alors, ça sert à tout le monde, hein. Ça sert à l'INSEE, ça sert à l'État. Ça sert aux gens qui, du coup... ont bonne conscience et qui auraient pas le temps ou l'énergie pour se lancer dans des vrais combats, disons. C'est bien aussi que ces gens-là soient pas malheureux dans leur vie. Donc si ça peut les apaiser, tant mieux. Et ça sert aussi à rendre la revendication malgré tout visible, même si ça l'aide pas vraiment. Au moins elle existe et ça peut susciter chez certains, chez des artistes ou autres, des politiques ou peut-être l'envie de faire quelque chose d'effectif, quoi, avec ces choses-là. En se disant, je serai suivi par des gens. Disons, ça rassure quand il faut engager une action, quoi. Voilà, encore une fois, c'est mon avis, évidemment. Des avis, il y en a pour chaque trou du cul. Le mien ne fait pas exception. Bah, l'ordinateur, c'est bonus, oui et non, parce que bah, déjà on s'en sert tous, et moi je suis ravi d'être dans une société qui me permet de me servir d'un ordi et de tenter de travailler autrement que bah, de travailler de la façon dont j'ai envie, de partager les choses que je sais faire de la manière dont j'ai envie. Et c'est vrai que tout ce qui est informatique, numérique, communication, etc., nouvelles technologies, ça m'aide bien dans tout ce que je fais, que ce soit de la musique ou des vidéos comme vous voyez. Du montage, peu importe.
c'est quand même bien pratique et c'est un confort que je néglige pas. Mais c'est vrai que dans l'idée, s'il devait plus y avoir tout ça, c'est aussi qu'il y aurait. Voilà, j'ai des guitares acoustiques quoi. Tout n'est pas que branché quoi. Même si j'apprécie beaucoup ce côté connecté. Tu sens mélancolique. Non, non, pas du tout. Je suis très. Bon, en même temps, c'est assez rare qu'on discute justement. Donc peut-être que des gens ne s'attendent pas à ça, de ma part. Mais ouais, non, je viens de la philosophie, de l'art, de la peinture, de la musique, de. Le jeu vidéo, c'est pour moi une manière de. Comment dire, d'explorer des façons de voir la chose différemment, de voir la vie, de voir le travail des gens. Jouer essentiellement des œuvres et pas juste un loisir qui passe et on perd du temps là-dessus, quoi. Donc évidemment, quand on en parle, ça peut donner cette impression, mais. Non, je suis pour la joie. Mais on peut être joyeux sans être hystérique. Voilà. Le stream, c'est surtout de l'entertainment. Alors, tu as tout à fait raison. Et clairement, clairement, j'oserais pas le vendre autrement. Je vais pas vous faire croire que ici, je suis là pour changer le monde. C'est clairement pas le cas. Et pour tout dire, même dans la rue, je suis pas là pour changer le monde, quoi. Je vais changer mon monde. C'est-à-dire que le stream, pour moi, c'est une manière de vivre ma vie de la manière dont ça me plaît, le plus possible en tout cas. Et j'aime, par exemple, pour ceux qui ont suivi Hellblade, ce let's play-là, on a affaire à l'œuvre de gens, il y a des musiciens, il y a des animateurs 3D, des scénaristes, des tas de... Voilà, ça c'est mon monde vraiment quoi, qui prend vie dans un jeu vidéo, mais pour moi le jeu vidéo c'est ça quoi, c'est un support de tous ces savoir-faire différents. Mais clairement, alors pour ceux qui savent pas, je fais donc de la musique, j'ai habillé un film documentaire par exemple. Donc voilà, c'est une autre manière d'utiliser son savoir-faire, je l'ai utilisé pour le cinéma, je l'ai utilisé ici pour le jeu vidéo. Avec, je sais pas, par exemple les génériques, les trucs comme ça. Ils ont un savoir-faire graphique avec les vignettes. Enfin, ça peut être fait pour des tas d'autres choses, hein, attention. Mais ça reste le même savoir-faire qu'il y a derrière le jeu vidéo que celui qui serait plus honorable, disons, pour la société dans d'autres domaines, quoi. Celui qui est malheureusement le plus honorable, c'est le marketing qui utilise tout le savoir-faire de la musique, de l'image, du scénario, etc. Et ça, c'est respectable parce que ça brasse de la thune. Ceci dit, le jeu vidéo brasse de la thune aussi, mais ça dépend des jeux vidéo. Marketing honorable. Ah. Honorable aux yeux de la société, attention. Faut, comment dire, replacer les points de vue dans les contextes, quoi. Ceci étant dit, voilà, les gens qui travaillent dans le marketing, j'ai un sacré respect pour eux parce que vraiment, ils ont tout pigé. Et c'est pas des gens qui se cachent justement derrière des faux semblants ou quoi. Et c'est vrai que c'est ce que je reproche un peu à nos bobos de gauche, enfin de gauche modérée, de se cacher derrière comment on dit. Oh non, ça se fait pas, gna gna, c'est pas possible. Oh non, je fais pas ça pour ça, ça n'existe pas, etc. Ils ont un peu du mal avec leur conscience. Au demeurant, le fond est bon. Mais c'est vrai que pour le coup, si le marketing, le fond est mauvais, je trouve l'attitude des gens qui font bien meilleur, bien plus. Et ben ouais, on fait ça, on l'affirme et voilà, c'est comme ça quoi. Et c'est les gens qui vont affirmer le plus, qui vont faire fonctionner ce qu'ils ont envie de faire fonctionner. Donc voilà où on en est. Je bosse avec eux tous les jours, mais je les respecte pas. Mais je pense que tu peux respecter, comment dire, voilà,
Bah justement, ce côté frondeur, on peut être dans un camp opposé et malgré tout et ben voir les qualités de l'adversaire. Et en l'occurrence, le marketing est un adversaire qui affirme et qui se cache pas et qui va utiliser absolument tout ce qui fonctionne. Quand on vous sort par exemple le tube de l'été, qui est exactement le même tube de l'été que l'année dernière avec des paroles nouvelles et un visage nouveau, c'est simplement quelqu'un qui utilise la musique et le pouvoir de la musique et du visuel, etc. Pour son bien à lui, disons. Mais ça reste un outil, quoi. C'est, si vous voulez l'utiliser pour autre chose de meilleur pour les gens, vous pouvez tout à fait le faire. Sauf que, voilà, ça, quand on veut faire ça pour les gens, faut absolument pas dire qu'il y a des effets du travail, comment dire, du travail calculé, etc. Sinon les gens n'acceptent pas. Mais voilà, le marketing qui, lui, va se rendre compte et va être lucide sur le pouvoir de telle ou telle chose, qui ne se cache pas en plus de le faire. Les politiques aussi font ça, beaucoup. Et ben eux, ça fonctionne. Ils nous enculent tout le monde, et puis voilà, en pleine affirmation, et tout va bien pour eux. Visage, effectivement, les caméras ont tendance à aller viser un petit peu plus bas. Alors j'ai arrêté parce que je ne supportais pas, parce qu'au début t'es un stagiaire, tu manipules les masses, mais en plus ton salaire est misérable. Et ben ouais, voilà, mais ce pouvoir, ce savoir-faire que tu acquiers en rentrant dans ce camp-là, tu peux l'utiliser aussi pour d'autres choses. Et à ce moment-là, eh bien écoute, le stream peut être une passerelle, un pont vers l'utilisation de ton savoir-faire pour autre chose. Que pour vendre des choses. Et si tu veux vendre des choses, tu peux aussi sélectionner les choses que tu vends pour qu'elles soient bonnes pour les gens et pas mauvaises dans le contexte. J'utilise mon savoir-faire pour faire court, ben ouais, écoute, c'est déjà une bonne chose. Alors après, voilà, il y a des professeurs bons pour les gens, des professeurs mauvais pour les gens. Souhaitons que tu sois un professeur bon pour les gens. Je pense que t'as l'air quelqu'un de créatif et qui propose des choses visiblement un peu détonnantes à tes élèves. Donc au moins, ça les sortira de leur quotidien. Justement, il n'y a que les jeux entertainment qui fonctionnent. Alors en fait, voilà, il n'y a pas que les jeux. Le film le plus cliché, disons, va fonctionner mieux que le film expérimental, etc. Mais ça, c'est simplement parce que, justement, les codes dont on parlait sont utilisés sans complexe par des gens qui veulent eh bien s'en servir pour gagner de l'argent. Attention, on pourrait se servir des mêmes codes pour faire autre chose, hein. Mais il se trouve que, justement, faire autre chose, en se servant de ces codes, c'est pas bien vu par notre gauche bobo. Et du coup, bah, les artistes, etc., osent pas vraiment taper dans les codes pour proposer autre chose. Et ils vont essayer plutôt de l'expérimental, comme ça ils sont catalogués directement marginaux et autres. Et ça, notre gauche bobo en raffole. Même si, attention, la gauche bobo, elle se comporte au quotidien tout à fait autrement que d'une manière marginale. Enfin bon, voilà, il faut si je peux passer un message à mes collègues artistes avec un A le plus grand possible, c'est de pas complexer à utiliser des codes, mais de pas non plus s'en contenter, quoi. Faut mélanger les choses, il faut de l'eau chaude et de l'eau froide, et pas pour proposer du tiède, mais pour proposer un peu d'eau chaude et ensuite un peu d'eau froide, histoire qu'il y ait des changements de température, etc. Quoi.
mettez du sel et du sucre si vous préférez, c'est peut-être plus, plus parlant. Et après, attention, ça s'applique pas que aux artistes, hein, c'est n'importe quel métier. Il y a toujours une manière d'y ajouter un peu de créativité, un peu d'originalité, un peu de... On fait bouger les lignes et les codes du métier en question, de la discipline. Et ça, pour moi, c'est plus des... Voilà, c'est... Enfin, pour moi, quelqu'un qui serait un expert comptable et qui arriverait à changer la façon de faire de la chose serait bien plus révolutionnaire qu'un manifestant qui va tous les dimanches lever sa pancarte et travailler comme un teubé le lundi, quoi. Attention, je dis pas que tous les manifestants sont des teubés. On ne fait pas dire ce que j'ai pas dit. La gauche bobo, tu veux dire LREM. Alors je mets pas d'étiquette sur. Enfin, je mets pas d'étiquette politique sur la gauche bobo. La gauche bobo, pour moi, c'est le hipster qui va acheter son iPhone à 1700 balles. Qui va être vegan par principe, qui va rouler avec sa bagnole pour aller bosser parce que selon lui. Son travail est important, qui va donc aller manifester parce qu'on lui augmente le prix de l'essence, qui va polluer comme un connard et qui va se plaindre après que l'écologie se passe à, etc. Ce que disait Nobody tout à l'heure, quoi. Les gens qui manifestent pour l'écologie avec des iPhones pleins de cuivre et de produits de merde fabriqués par des enfants, quoi. Enfin, voilà. Le paradoxe du. Le paradoxe du militant, c'est... justement, le paradoxe du militant, ben voilà, parlons-en. Si vous aimez le théâtre, vous avez sur YouTube peut-être, possibilité de revoir un truc qui s'appelle une conférence gesticulée. Et qui s'appelle justement la schizophrénie du militant altermondialiste. Le titre, c'est celui-là. Schizophrénie, donc, du militant altermondialiste. Alors bon, ça a une fin un peu happy end, mais le fond est assez intéressant. N'hésitez pas à aller choper ça, ça dure à peu près une heure. Exactement, Karl, c'est ça. Le gars qui te casse les couilles parce que tu mets de l'alu autour de ton gâteau et qui roule, qui vient en 4x4 te casser les couilles, quoi. Ouais, les gars qui disent « fais pas couler l'eau » alors que ils roulent en 4x4 et tout. Alors ça veut dire... Ah, effectivement, il faudrait faire bien gaffe à l'eau, faire bien gaffe à l'alu, faire bien gaffe à ceci, cela. On peut pas être partout et on peut pas... Comment dire... On peut pas se couper de tout ce que le monde nous impose. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de pas... Enfin, de relativiser, de balayer devant sa porte avant de casser les couilles aux autres. Alors c'est pas Franck Lepage qui a fait cette conférence, mais effectivement c'est estampillé Franck Lepage toutes les conférences gesticulées. Mais pour le coup c'est pas lui qui fait celle-ci. Et je vous invite à en voir une autre qui s'appelle L'eau Sachi, alors c'est un autre sujet. Donc L'eau Sachi. Vous pouvez trouver les deux hein, sur YouTube si vous voulez. Et donc voilà, comment pourrir justement l'eau de tout le monde avec son quotidien de petit bourgeois aristocrate. Bourgeois aristocrate, non. De petit bourgeois de gauche ou de droite. Et le souci de... Enfin, le souci. Comment dire, les docus, etc. qu'on croise sur le net, bien souvent, on les croise déjà. Faut prendre en compte le temps de réalisation du docu, ça prend en général une année ou plus. Certains docus prennent 2-3 ans, et s'il y a de l'investigation, etc., ça peut prendre jusqu'à 10 ans. Donc imaginez que quand un docu sort, on est déjà en retard sur le sujet. Même si le docu, lui, essaye d'être le plus à la pointe possible du sujet, il sort fatalement avec du retard sur ce qui existe. Et en plus de ça, alors le temps qu'on y a accès via YouTube ou quoi, ça peut prendre quelques années en plus.
Donc c'est assez affligeant de se dire, voilà, un docu comme l'Osashi, qui est déjà très très en retard au moment où ces gens font leur truc, qu'on va avoir encore plus en retard. Enfin bon, bref. Si vous êtes intéressé par ces choses-là, n'hésitez pas à les voir. Ouais, c'est exactement ça, Florent. C'est en tout cas ce qu'il faut mettre en avant, je trouve. Parce que c'est vrai que personne n'aime être infantilisé, même si notre société nous infantilise du matin au soir. Personne n'aime ça. Personne n'aime ça, même si c'est très confortable. Et bizarrement, ça passe pas très bien quand ce sont les gens, quand ce sont vos collègues infantilisés qui tentent de vous infantiliser vous-même. Ça passe un peu mieux vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de l'éducation nationale, vis-à-vis de plein de choses. Quand on n'a pas tous envie de batailler H24, mais... Exception faite des artistes qui, selon moi, c'est Youssoupha qui a une phrase dans un de ses morceaux qui dit « Notre art est de vous vexer ». Et ça, malheureusement, c'est bien oublié de beaucoup de monde. Alors attention, l'art c'est pas fait pour vexer les gens au sens leur faire du mal ou les blesser dans leur tréfonds. Mais vexer, c'est bouger les codes, justement, c'est renverser un peu ce qui est établi, quoi. Renverser l'ordre établi, ça c'est très deleuzien. Renverser l'ordre établi, c'est pas aller faire péter des bombes dans des trucs, hein, attention. C'est changer sa façon de penser. L'ordre établi dans sa tête. Voilà. Avec tout ça, on avance hein, quand même. Alors, on avance pas trop ici. Mais cycle 195, toujours vivant, toujours debout. Enfin, c'est aussi pour ça que j'aime bien Oxygen, c'est parce que c'est vraiment un jeu qui permet d'être tranquille et de papoter en stream, je trouve. Je le trouve très bien, même si c'est pas... voilà, il n'y a pas de l'image spectaculaire, il n'y a pas de... Il enfin, y a un peu de suspense si vous vous intéressez un peu aux personnages, si vous les aimez, ces petits. Au moment où il n'y a plus d'oxygène ou plus de bouffe, il peut y avoir un peu de suspense. Et bah t'inquiète pas, Warf, t'auras la rediff tôt ou tard. Je pense pas qu'elle soit strikée celle-là, ça va. On n'a pas révolutionné le monde. Donc tout va bien, elle sera diffusée. Alors attention Florent, dans ton discours, parce que là, quand l'art est beau, ça c'est très... comment on dit ? Une théorique ancienne, voilà. Pour parler comme Michel Onfray, c'est une théorique ancienne. L'art beau, l'art vrai, l'art juste, ça c'est pas de l'art, quoi. Ça c'est du marketing. Alors après, effectivement, l'émotion, le heurt, les choses comme ça, là on peut parler plus d'art, effectivement. Mais bah pour prendre les mots, mot pour mot, de Michel Onfray, l'art c'est pas une belle représentation d'un coucher de soleil, quoi. Une représentation, c'est une représentation. Ça peut être beau, selon son goût. Mais c'est ça qui fera de l'art, quoi. C'est un peu comme la philosophie. Souvent, les gens confondent des tas de choses et la philosophie, pour eux, c'est... Enfin, pour eux.
Malheureusement, et ben ça c'est l'éducation nationale qui nous veut ça. Malheureusement, la philosophie au lycée, c'est pas de la philosophie, quoi. C'est de l'étude de texte ou de la critique ou. Mais la philosophie, ça n'a rien à voir. On étudie des textes des philosophes et ça c'est une chose cool. Mais faire de la philosophie, c'est créer des concepts et créer des concepts, c'est pas ce qu'on fait au lycée, quoi. Mais ça passe évidemment par l'étude de. Enfin, ça peut aider en tout cas d'avoir étudié les philosophes qui eux ont créé des concepts, quoi. Exactement, ouais, faut éviter ces points-là parce que ça fait. Bah déjà ça aide pas forcément le débat et ensuite effectivement ça pénalise des idées qui pourraient être bonnes pour les gens, qui malheureusement ne voient jamais le jour à cause de ce point Godwin. C'est un peu comme un révolutionnaire qui voudrait aller en prison à tout prix. Il sert à personne une fois qu'il est en prison, donc autant parfois ravaler un peu sa morve et accepter de perdre un combat pour en gagner davantage derrière. Exactement, ouais, le duel des citations, alors ça c'est terrible. Il y avait déjà entre certains philosophes des duels d'idées, des duels de création, et ça c'était beau, même si après on adhère ou pas à l'un ou l'autre. Enfin, bon, la vie c'est pas noir et blanc non plus, hein, il y a du. Nietzsche et Kant pouvaient pas se blairer sur le papier, après je pense qu'il y avait du respect quand même parce que c'était des beaux adversaires, quoi. Mais c'est vrai que personnellement, j'aime à choisir mon camp et ce sera pas celui de Kant, quoi. mais j'en veux pas aux kantiens de choisir le camp de Kant. Et si ça peut les aider à choisir et à créer le leur, ce sera encore mieux. Ce qu'il faut s'obstiner à faire. Belle société individualiste, eh bien, créons nos propres camps. Et laissons-les ouverts aux autres, si possible. Histoire de pas être trop individualiste non plus. Et c'est vrai que ouais, le lycée fait pas du bien à la philosophie et l'université encore pire, quoi. Selon moi, après il y en a qui vont trouver ça très bien. Mais est-ce que vraiment ils vont être dans le camp de la philosophie, ça je sais pas. Mais attention, hein, ce qui est dit là pour la philo, ça vaut pour tous les domaines, encore une fois. Des mathématiques à l'histoire, à l'archéologie. Voilà, il y a toujours des duels. Croire que l'homme aime bien ça. Et c'est là que justement la philosophie a son intérêt d'essayer de créer autre chose que les deux parties présentes du duel, quoi. Créer une alternative sans cesse. J'écris très mal et j'écris trop vite, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Pas de soucis, personne n'est parfait. Alors Florent nous dit qu'il était très satisfait de ses cours d'histoire à la fac, mais qu'il y avait des batailles d'ego. Alors moi je connais pas les cours d'histoire de la fac. Donc, je peux que te faire confiance sur. Bon après les batailles d'ego à la fac, ça. Comment dire. Ceux qui sont dans le milieu associatif sont bien au courant. C'est un peu un. Comment dire. Une petite saveur de fond, quoi. Une des notes du parfum de la fac, c'est la bataille d'ego. Peu importe, j'ai l'impression la matière, ça se voit beaucoup en droit et en commerce, etc. Mais c'est vrai que ça l'est aussi en fac d'histoire de l'art, fac d'art plastique, fac de ceci, cela. Bon, y a peut-être aussi que les gens aiment bien la compétition en général. Peut-être pas tous, hein, mais.
et qu'ils ont besoin, peu importe là où ils sont, de se créer quelque chose de compétitif, de se sentir un peu mieux, je ne sais pas. Bref, qui nous dit de toute façon, vu tout ce qui a été retiré du programme lycée, etc., vaut mieux en faire à la fac. Un problème récurrent de l'être humain vivant en société, ouais, mais est-ce que c'est pas juste un problème récurrent de l'être humain tout court, hein, et de la bestiole vivante, point barre, quoi. C'est-à-dire qu'au printemps, toutes les bestioles se font la guerre pour intéresser madame ou mademoiselle, peu importe leur espèce. Est-ce que fondamentalement c'est pas différent de... Enfin, c'est pas la même chose plutôt que ce qu'on reproduit au quotidien dans toutes nos disciplines diverses et variées. Et ce qui explique le succès du marketing qui nous permet de gagner ces batailles. Si on a le dernier iPhone. Bingeater, vomiteur, bingeater, on va balancer tout ça. En revanche, on va prendre petite nymphe qui va nous faire de la lumière. J'ai vu, il sait pas où est l'Ukraine, mais 18 de moyenne. Bah ouais, mais alors après ça c'est enfin comment dire. On peut pas en vouloir aux spécialistes de se spécialiser quoi. Un spécialiste peut pas être un omniscient non plus, enfin comment dire. C'est. Par exemple, je vais vous donner juste l'exemple vite fait avec un exemple concret, c'est la chaîne YouTube que. Enfin, YouTube slash Twitch, sur laquelle vous êtes actuellement. Quand je ne faisais que du Blood Bowl, j'avais comment dire, plus de vues, plus de participation, etc. Mais aussi aucun, alors aucun pas vraiment, mais beaucoup moins de regards sur les autres jeux, etc. qui se faisaient en même temps. Et par exemple, on a raté complètement la sortie d'un Hellblade qui, à titre personnel, m'intéresse beaucoup. Donc voilà, au bout d'un moment, j'ai décidé d'élargir quand même les propositions que je vous fais, en vous proposant les jeux qui me plaisent, hors Blood Bowl également. Mais il se trouve que du coup, bah voilà, en tapant plus large, on a aussi beaucoup moins d'efficacité d'un point de vue très technique au niveau des vues et des participations, etc. Donc c'est un choix à faire, et ben des spécialistes, il en faut aussi, quoi. Enfin, si on n'avait pas nos ingénieurs, on n'aurait pas bah justement nos PC, etc. Simplement, voilà, effectivement, l'ingénieur qui va passer plus son temps à se spécialiser dans son domaine va pas forcément avoir donc de temps pour se spécialiser et s'intéresser davantage aux autres domaines. Alors on aime tous hein, que les gens soient intéressés à tout, qu'ils soient ouverts, etc. Ça veut pas dire que l'ingénieur est fermé, ça veut juste dire qu'il a pas assez de temps pour tout faire, quoi. Faut aussi relativiser ça, après c'est vrai que on aimerait que des choses plus basiques soient acquises par nos têtes pensantes de certains domaines. Mais fondamentalement, est-ce que l'ingénieur qui va fabriquer un pont de qualité, il a vraiment besoin de savoir où est l'Ukraine pour nous rendre ce service quoi. C'est pas très grave. Enfin, dans ce contexte précis, je pense que c'est pas très grave. Après, ça dépend de la discipline et de l'orientation de la prépa en question, etc. Mais... Ouais, j'ai très envie de relativiser les choses de cette manière-là parce que effectivement, se spécialiser, c'est beaucoup d'efforts. Alors, c'est pas moins d'efforts qu'être multidiscipline. C'est juste un effort bah, qui empêche de faire autre chose. En revanche, le multidiscipline qui permet de voir plus de choses, de goûter à plus de saveurs, disons, va pas permettre d'approfondir les sujets autant que le font les spécialistes. Donc aussi relativiser ça, quoi. Les spécialistes vont cracher sur le multidiscipline en disant ouais mais ça va pas assez loin. Et le multidiscipline va cracher sur le spécialiste en disant. Pardon, en disant ouais mais c'est fermé, ça s'ouvre pas assez au reste, etc. Ça prend pas en compte d'éventuelles autres choses qui auraient
Mais bon, en vrai, faut juste essayer d'arrêter de cracher simplement et prendre les choses comme elles sont, les relativiser. Et puis féliciter ce petit frère d'avoir eu 18 parce que c'est hardcore quoi. Des bases que tu dois avoir avant la spécialisation, alors je suis d'accord avec ça aussi. Mais c'est vrai que là pour le coup, on n'aura pas beaucoup d'impact sur ces choses-là tant que on sera pas investi dans le domaine et spécialisé dans le domaine qui englobe tout ça, à savoir la politique, le ministère de l'éducation. Et si quelque chose se passe ici, alors les prépas vont s'aligner, etc. Mais bon, avec la privatisation, les prépas vont commencer à taper dans les sponsors divers et variés. Je sais plus quel truc d'assurance essaye de sponsoriser des prépas. Enfin bon, et du coup, les élèves sont carrément formés à travailler à l'entreprise, dans l'entreprise, pardon. Concernés plus qu'à être finalement préparés à leur domaine. Ça, malheureusement, c'est... À une petite échelle, c'est pas possible de changer ces choses-là. Il faut que sa petite échelle se place à un niveau plus élevé de l'entreprise France. Alors après, ouais, effectivement, comme dit Florent, mais c'est vrai qu'on nous demande de choisir nos voies très tôt. Et on n'a pas forcément le recul à 14-15 ans de comment le monde a besoin de nous et qu'est-ce qu'on est capable de faire pour aider ou pour être utile à tout ça. C'est sûr que demander aux gens de se spécialiser à l'âge où... Oui, ils savent même pas comment ils s'appellent et... Bon, bon bref, voilà. C'est compliqué. Samsung fait ça en Corée, il y a des universités, ben voilà. Moi je pensais à des organismes d'assurance. Bon, ça en France, mais effectivement Samsung en Corée c'est... Aux États-Unis ça doit être... J'ai pas d'exemple, mais j'imagine que ça doit être bien lancé, étant donné qu'ils ont le sponsoring comme mode de vie dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les... Y a pas de raison que les universités y échappent. Heureusement qu'on fait du JDR avec lui pour lui culturer un peu sa journée. Alors effectivement, c'est bien de lui apporter des choses nouvelles, après voilà, faut aussi... Pensez à prendre les choses que lui il a à vous apporter parce que c'est un spécialiste en son domaine et que... Pas parce qu'il a un spectre moins large de connaissances, que son spectre est moins intéressant ou moins efficace, et au contraire d'être spécialiste si jamais le sujet de discussion tombe dans son domaine, là, ça peut être très intéressant quoi. Après évidemment faut que le domaine vous intéresse un minimum mais disons que voilà, culturer sa journée, c'est aussi l'occasion pour vous peut-être de spécialiser la haute quoi. Faudrait pas le mettre à l'écart parce qu'il a choisi d'appliquer ses compétences autrement que vous. Ouais bah clairement Cars, hein, ça permet d'avoir des bâtiments gratuits, des locaux qui, bah, du fait du marketing, sont un peu pris au piège de l'image et donc se doivent d'être malgré tout le plus respectable possible, en tout cas en surface. Parce que c'est leur image de marque qu'ils sont en train de construire. C'est malheureux de se servir de la pauvreté entre guillemets des gens pour imposer ça, mais si la chose est ce qu'elle est et qu'elle peut pas être changée, autant prendre le bon de cette chose-là, donc... Alors ouais, je parlais de... Évidemment, j'exagérais un peu en disant qu'ils savent pas comment ils s'appellent, mais...
Mais est-ce qu'il serait capable de l'écrire bien, par exemple? Quand on voit certains prénoms, alors attention, un prénom c'est personnel et tout, il n'y a pas de jugement à ce niveau, mais c'est vrai qu'il y a des prénoms qui sont, comment dire, donnés par les parents. Et on sent le manque de culture, quoi. Alors le manque de culture, c'est pas... du coup, ça crée une nouvelle culture qu'il faut accepter aussi. Mais bon, voilà. Ça crée la richesse du prénom, disons. Et donc ces parents-là ont été en cinquième, ont été élèves, ont été ceci, cela. C'est difficile hein, d'accepter un monde, justement, c'est la tradition qui parle hein, quand on dit... je sais pas si par exemple quelqu'un écrit Chloé, K-L-O-E. Bah Chloé, ça s'écrit pas comme ça en principe quoi. Après voilà, c'est quand je dis en principe, c'est que c'est la tradition qui parle à travers moi. Et je vais me dire, mais ils sont très créatifs, et ils sont trop modernes pour moi ou simplement ils savent pas écrire Chloé quoi. Bon, c'est un exemple hein, c'est... Évidemment, j'ai rien contre les gens qui s'appellent Chloé avec un K, ni contre leurs parents qui ont donné ce prénom. C'est ce que j'entends un peu par ils savent pas comment ils s'appellent quoi. Et bon courage Nobody. Bon courage, profite bien. Je vais me pioter boulot. Ouais, voilà, alors après faut pas... Voilà, l'élève il est pour rien, l'enfant il est pour rien, il a pas choisi. Le parent a pas choisi non plus, ça... Enfin, il a choisi le prénom, mais il a pas choisi de... Et au mieux le parent a choisi justement d'être créatif et de renverser le code du prénom en l'écrivant autrement, donc pourquoi pas. Dans le doute on va se dire ça. Mais c'est vrai que ça ferait partie quand même des bases communes à avoir, quoi, qu'on n'a pas forcément tous. Mais attention, hein, moi le premier, je fais des fautes d'orthographe, etc. Hein, y a pas... Ça arrive, quoi, mais c'est vrai que dans l'idéal, dans la perfection, ça ne devrait pas arriver, quoi. Mais bon, après c'est vrai que pour le prénom d'un enfant, c'est bien de se poser la question quand même et de regarder, justement, de profiter de l'outil internet par exemple. Ça peut être fait quoi, ça prend 30 secondes et pas besoin de savoir écrire. Mais bon voilà, c'est un pas de plus vers la novlangue. Ça fera plaisir à Damasio, mais plaisir ou pas plaisir. Désolé QWERTY, mais t'en fais pas. Enfin, franchement, ici, je vais pas. Je suis le premier à faire des fautes d'orthographe. Y a pas de souci, j'essaye de les corriger un maximum si je m'en rends compte. Mais je vais pas vous casser les couilles si vous écrivez mal. Y a pas de souci. Je m'intéresse plutôt au fond de ce que vous écrivez que à comment vous l'écrivez. Des fois, c'est l'administration qui fait des fautes. Moi, j'aime bien le « des fois » dans cette phrase. Effectivement, là, ça lui fait voir du pays, c'est pas mal. Bon, en même temps, on va pas se cacher, hein. Enfin, vous parlez à quelqu'un qui fait du stream sur internet. Évidemment, vous êtes pas en train de parler à un expert comptable qui a passé un doctorat de comptabilité, quoi. Et je pense que peu importe qui sur Twitch ou quoi, vous allez plutôt tomber sur des gens dans cette vision-ci du monde que
que des gens fans d'administration et de la société telle qu'on nous la veut, quoi. Il est né à Séoul en Corée, ça. C'est un peu comme la Nouvelle-Aquitaine, ça. Voilà. Ils ont étendu la Corrèze jusqu'à Séoul. Nouvelle-Aquitaine, hein, qui va jusqu'à Lyon, désormais. Bon, après, si ça se trouve, c'était un révolutionnaire de l'administration qui s'est dit « Je vais faire imploser l'administration. Je vais noter tout et n'importe quoi à chaque fois que j'aurai l'occasion. » Et donc voilà, il note des pays à l'arrache, au pif. Peut-être qu'il se fait un petit Marble Stream pour élire ses pays à chaque fois qu'il a besoin. Ça se trouve, il a une chaîne Twitch. Peut-être moyen de suivre ça. Ça se trouve, ce sont les viewers qui votent les pays. Tenez, voilà un petit exemple du monde qui change et qui arrive à se faire imposer des choses alors qu'il voulait nous les imposer. C'est qu'on a désormais sur Twitch des chaînes comme Le Monde, comme je sais plus qui encore. La presse papier s'intéresse à Twitch, la radio s'intéresse à Twitch. La télé a pas encore pigé, mais ça devrait pas tarder. Mais voilà, ça c'est un vrai acte militant pour moi, quoi. Alors militant, attention, c'est le marketing qui permet cet acte militant, mais le fait que des branleurs qui jouent à des jeux vidéo arrivent à imposer à la presse papier de changer de support, ça c'est quand même un acte fort de ce dont est capable la société, quoi. Quand elle décide quelque chose pour elle-même. Il y a déjà une chaîne e-sport. Alors e-sport, c'est encore autre chose. C'est comment dire, c'est rendre crédible par l'ancien monde, disons entre guillemets, le jeu vidéo. Mais pour ça, il a fallu passer par le sport et dire regardez, notre jeu vidéo, c'est pas que du jeu vidéo, c'est aussi du sport. Ça fait aussi travailler des choses. Ça nécessite aussi de l'implication tactique, de l'implication collective, de l'implication ceci, cela, de l'énergie, clairement. Mais clairement, c'est aussi un exemple, voilà, de comment la société peut changer quand elle s'occupe d'elle-même simplement et plus des grandes manifestations bourgeois-bobo, quoi. Simplement en faisant les choses, ben ça finit par changer. Ouais, c'est ça, voilà, mais Oref nous dit quand il était petit, c'est geek, c'était une insulte, et il s'en foutait. Mais aujourd'hui, geek, c'est pour ceux qui ont suivi, peut-être Critical Role, donc ce sont des voice actors qui jouent à Donjons et Dragons. Alors sur le papier, on met voice actor histoire que ça passe bien, mais ce sont juste des gens qui jouent à Donjons et Dragons en stream, et qui sont doués pour faire des voix, bon, tant mieux. Ces gens-là ont soulevé, je sais pas, près de 10 millions de dollars pour un Kickstarter, pour faire un dessin animé de leur histoire. Voilà, c'est ça. C'est ça geek aujourd'hui, quoi, c'est 10 millions de dollars. Et on voit des chaînes françaises du coup s'y mettre, etc. Enfin, des gens qui s'y mettent parce que ça semble être une mode qui va arriver, ou re-arriver. Mais aussi parce qu'ils se sentent plus rassurés maintenant de se dire c'est bon, je serai pas totalement un teubé, j'ai quelque chose qui me crédibilise, quoi. Bah voilà l'idée, un Kickstarter pour mon JDR, bah n'hésite pas. Mais je te conseillerais plutôt un Tipeee qu'un Kickstarter. Parce que le Kickstarter est limité dans le temps, que le Tipeee ne l'est pas. Et ça te permet, si tu ne sais pas en combien de temps tu peux réaliser ton projet, de préciser. Et les gens savent évidemment que tu vas pas préciser de date.
Mais ça annulera pas les dons que tu as déjà reçus. Ni le besoin de contrepartie, du coup. Hein, mais ça te permet d'avoir plus de temps pour réaliser la chose. Nullbuck, ça a plus que 15 ans. Nullbuck, j'avais 15 ans quand ça existait, quoi. Donc ça fait au moins 20 ans. Alors le truc qui permet d'être actionnaire au final, je crois que c'est My Major Company. Je sais pas si ça existe encore ou quoi. Il me semble que c'est ça. Faut voir les règles de l'éducation nationale pour ce qui est du financement. Alors ce que je te propose pour passer outre les règles de l'éducation nationale, etc., c'est de créer une association. Ça te coûte 30 balles. Et puis voilà. Tu te crées un atelier ceci cela, une asso en ton nom, et tu l'expliques aux parents d'élèves, parce que ça m'étonnerait que l'éducation nationale te laisse faire un Kickstarter, mais peut-être. Ça coûte pas grand chose de demander en tout cas. J'osais pas dire plus en fait. Ah oh bah tu peux y aller, hein, c'est pas grave. On a un spécialiste de l'histoire ici. Du coup, tu peux te planter avec les dates, il sera là pour rectifier. Florent, de quand date Nullbuck? Voilà, et sinon il y a toujours Wikipédia. Hein. Wikipédia, vérité absolue. In Wikipédia we trust. Alors ça s'appelle FIG, la plateforme de financement, donc. Ok, je connais pas du tout. Bon, du coup on papote, hein, et les petits gars ils font leur vie là tout seuls. Alors c'est très bien, ils font leur vie, ils sont toujours 7, il y a toujours plein de bouffe, il y a même plus de bouffe qu'avant. Il y a plus de malades qu'avant aussi. Il y a moins d'eau qu'avant. Ça c'est terminé, c'est très bien. On va mettre une priorité 8 sur les câbles. Histoire qu'ils puissent nous refiler un peu l'eau. Ça c'est bon. Ça date de 2001, Nullbuck, la vache. En fait, 18 ans. Pas du tout plus de 20 ans, ok. Et n'oubliez pas de donner à Wikipédia. Alors, c'est vrai que les serveurs coûtent cher. C'est pas gratuit. Ça rajeunit pas, non, c'est clair, et c'est pas sur ce stream que vous allez être le plus rajeuni en plus. Alors j'essaie quand même de vous faire des jeux récents, mais c'est vrai que si j'avais un peu plus de temps, vous boufferiez du Baldur's Gate, etc. Alors vous en bouffez un peu du rétro, mais pas encore assez à mon goût, donc je réfléchis aussi à la chose. Mais bon, c'est bien d'être vieux aussi. Voilà, c'est bien d'apprécier l'expérience acquise, la saveur du temps qui passe et du temps qui reste encore à passer, avec justement un peu plus de lucidité sur ce temps précieux. Bientôt le 3 que je vais poncer celui-là, bah ouais tu m'étonnes. Là je suis désolé, je pense que sur la chaîne ça va être mono-jeu pendant... Alors, enfin, ce qui m'embête c'est si jamais il sort en même temps que Necromunda. Parce que Necromunda, il fallait le poncer aussi ici. Ça va être une obligation. Il me semble hein, que la convention de Genève a absolument indiqué qu'il fallait streamer ce jeu. Le 3 quoi de Baldur's Gate. Yes.
Voilà, et je suis très embêté parce qu'il y a des tas de jeux. On a Westland 3 qui arrive, j'ai même pas fini le 2 alors que le let's play est commencé. On a Necromunda qui arrive, on a Paranoia qui arrive, on a Baldur's Gate 3, on a Hot World qui est donc fait par les créateurs de Fallout qui arrive en 2020. Tous ces jeux-là, c'est impératif pour moi de les faire sur la chaîne parce que c'est vraiment les jeux du cœur un peu quoi. Au-delà de pas louper la sortie pour la hype, c'est vraiment des jeux que j'ai envie de faire. Mais il y a trop de jeux quoi. Trop de jeux et pas assez de temps. Necromunda me tente pas mal, mais ouais. Necromunda, ouais, c'est un peu comme Blood Bowl, quoi, c'est les jeux d'enfance. Ce sont des madeleines, les madeleines de Game Workshop. Et c'est clair que pas les présenter sur la chaîne. Alors c'est pas forcément une faute professionnelle parce que c'est pas les jeux qui vont attirer masse de monde. Mais pour moi ce serait une faute impardonnable de geek. De pas présenter en vidéo ces jeux qui m'ont tant fait rêver quand j'étais gamin. Regarde les streamers pro, ils arrivent pas à suivre, donc bon, ouais, clairement. Enfin, oui et non. Disons que pour arriver à suivre, en fait, faut prendre de l'avance. Et le problème, c'est que. Alors, avec ma toute petite chaîne, je suis incapable de prendre beaucoup d'avance. Simplement parce que les développeurs, les distributeurs s'intéressent pas à mon cas. Donc, par exemple, je suis des jeux là. Des jeux qui ne sont pas sortis, des jeux qui sont en pré-alpha, en machin, en truc, qui sont même pas encore jouables. Là. Même pas encore jouable pour les backers ou quoi. Je suis ces jeux-là, mais quand je contacte les développeurs pour essayer d'avoir des exclus ou quoi, ma cache quoi. Non, t'as une chaîne toute petite, tu vas acheter le jeu comme les autres à 50 balles quoi. Et donc, prendre de l'avance, eh ben ça nécessite d'avoir beaucoup d'argent. De l'argent, j'en ai pas. Enfin, pas spécialement, pas à ce point-là en tout cas. Et du coup, impossible de prendre de l'avance. Les gros streamers sont capables, eux, de débourser cet argent, mais comme ils ont pas. Ils n'ont pas besoin de faire connaître plus leur chaîne ou quoi. Ils se contentent de ce qui les intéresse, alors ce qui est déjà une bonne chose. Moi je me contente de ça aussi, attention, les jeux que je vous propose, il y a absolument zéro jeu qui m'intéresse pas. Hors éventuel cadeau, mais c'est quand même très rare. Et même les gens qui font des cadeaux en général essayent de faire ça bien. Mais c'est vrai que bah, ça reste un métier dans lequel il faut investir quoi. Et c'est clair que streamer quand on n'a pas de thunes, c'est devoir se contenter de ce qu'on a, ce qui est déjà une très bonne chose et il faut savoir l'apprécier aussi. Mais c'est vrai que si on veut essayer d'être un peu plus dans le truc, faut aussi se bouger le cul pour essayer de prendre de l'avance. Or c'est très compliqué quand on a une toute petite chaîne. Toute petite chaîne, j'entends moins de 5000 abonnés, attention. À 10 000, ça reste une petite chaîne, mais c'est un peu plus facile de demander une clé ou quoi, enfin, ou une avant-première, une démo. Enfin. Avec plusieurs PC, alors. La cadence des épisodes à faire, plusieurs PC, c'est ça, j'en suis là. Enfin, clairement, moi, je peux pas. Me cacher, là j'ai deux PC portables, alors ce sont deux PC portables, il y en a un qui a près de 12 ans et qui me sert à avoir vos retours en live, etc. Un PC qui s'éteint un peu quand il veut. Et mon main PC, c'est un PC à 500 balles, et pour ça j'affiche pas la configuration spécialement sous la vidéo parce que ça n'a absolument rien de folichon, vous pourriez tous l'avoir simplement allant sur Cdiscount, PC à 500 balles. Donc moi j'en suis là au niveau du matos. Après j'avais déjà mon matos audio parce que donc je faisais de la musique avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et pour autant le matos audio que j'ai, c'est un matos audio adapté à la musique mais pas forcément adapté au stream. Pour bien faire, il faudrait encore claquer de la thune pour changer de micro, changer de carte son, acheter un boîtier pour encoder les vidéos, acheter un nouveau truc pour le retour. Enfin, bon bref, vous voyez l'idée. Et pour tout vous dire, je suis déjà en déficit par rapport
entre ce que le stream rapporte entre guillemets et combien j'ai investi dedans depuis que j'ai commencé, le gouffre est quand même important quoi. Faudrait pas présenter ça à un banquier, sinon il nous ferait un petit malaise. Et t'arrives à avoir Blood Bowl en HD chapeau. Alors ça c'est entre autres, alors parce que le PC à 500 balles, je l'ai choisi aussi pour la carte graphique. C'est-à-dire qu'il a beaucoup moins de RAM que d'autres PC au même prix. Mais il a une carte graphique un peu meilleure. Donc ça me permet de pousser la qualité. Mais pour pousser la qualité, il a fallu aussi travailler pendant des semaines au réglage. Comment bien régler les flux, etc. pour que la qualité puisse passer. C'est pas la mine hein, non plus, attention, streamer c'est du plaisir, etc. Hein, c'est clair, mais c'est vrai que il n'y a pas rien à faire non plus. Et ben chaque jeu est différent en plus, du coup parfois il faut changer les réglages pour l'adapter à tel ou tel jeu. Enfin bah vous avez vu ceux qui ont suivi peut-être le let's play de Hellblade justement. J'ai tenté le premier live avec des réglages qui me semblaient absolument parfaits puisque ça fonctionnait avec plein d'autres jeux. Et le live a été une catastrophe quoi, ça saccadait à mort, etc. Alors que le jeu sur le PC fonctionnait bien, donc il a fallu revoir tous les réglages, ça a pris quelques jours. 3-4. Enfin 3-4 pour avoir des bons parce que bon derrière il y avait l'urgence du truc qui a fait que le lendemain j'ai pu proposer une vidéo. Mais là je suis encore dans les réglages. Hein. Je vous cache pas alors qu'on arrive bientôt à la fin du jeu. Je suis encore dans les réglages pour me dire comment on peut améliorer le truc quoi. Et après le fait que la HD ça puisse passer, c'est aussi un truc qui est complètement indépendant de ma volonté. C'est que ma connexion, aussi ADSL qu'elle soit, pardon, est d'une qualité de fifou pour ce qu'elle est. Là on a 3 destructives donc on va pas les prendre, on va juste prendre la glace. Et il se trouve qu'avoir un bon débit de flux ça aide aussi à régler mieux les choses. C'est quelque chose qui pourrait changer parce que je sais qu'ils vont faire des travaux dans je crois l'an prochain pour justement installer la fibre. Et j'ai très peur de ces travaux et de l'impact que ça va avoir sur le reste des réseaux du coin. Mais bon. Enfin, dans tous les cas, si ça fonctionne aussi bien, je prendrai pas la fibre parce que c'est beaucoup plus cher. Mais du coup voilà, et j'en profite pour remercier tous les gens qui ont tipé la chaîne, qui soutiennent et soutiennent un peu financièrement. Parce que, alors à l'heure actuelle, ça n'a absolument aucun impact, étant donné que les sous pour les débloquer, il faut attendre des plafonds, etc. Donc je suis pas prêt de les avoir. Mais clairement, ça me permet aussi de... comment dire... d'anticiper un peu la suite. En me disant, bon, alors il y a ces sous-là qui sont déjà là, que je récupérerai plus tard. Donc ça me permet, pourquoi pas d'acheter Necromunda Day One et, voilà, ce genre de truc, ce sera pas grand chose, disons, à l'idée du stream général, mais c'est énorme pour. Ce sera un jeu Day One qui sera vous proposé sur la chaîne, alors que ça aurait pas forcément pu être possible autrement, quoi. Bon, Necromunda, ça aurait été impératif. D'un point de vue personnel, ça aurait été un petit creux de plus, mais ça aurait été Day One quand même. Mais voilà, ça permet d'être un peu plus serein. Et salut à toi, ces personnes, bienvenue sur le live. Comment vas-tu? Alors, on arrive au cycle 200. On va faire une petite pause stagiaire une fois qu'on aura terminé le cycle 200, parce que ça fait un moment qu'on papote. Et je suis en rate de café. Mais on va reprendre après pour un dernier épisode de Oxygène. On fera une petite pause quand même pour manger ensuite. Peut-être une heure ou quoi. Et je reprendrai l'après-midi avec un autre jeu. Alors je sais pas encore lequel, j'ai très envie. Enfin il y a plein de jeux que je veux
vous présenter sur la chaîne des jeux que j'ai présentés et que j'ai pas continué parce qu'il y avait d'autres choses à faire, etc. Donc cet après-midi, c'est possible qu'on fasse pas de Starbound, qu'on fasse pas de Hellblade, qu'on fasse pas de Oxygène, mais donc qu'on fasse un jeu tout à fait différent. Qui vous plaira pas, ça je ne sais pas. Ce sera pas un point and click puisqu'on va garder ça pour les aventures du dimanche évidemment. Et donc voilà, alors j'en profite que vous soyez un petit peu, alors un tout petit peu nombreux pour vous signifier que probablement le lundi soir, donc on va décaler le Kenshi donc en après-midi. Ça je vous en avais déjà parlé. Donc le lundi soir, j'aimerais bien faire les lundis découvertes après les aventures du dimanche. Pour donc profiter de cet espace-là pour vous proposer des jeux ou nouveaux ou des jeux qui n'ont pas été présentés encore sur la chaîne. Histoire de... Bah c'est très frustrant d'un côté, pour un streamer dans mon cas, d'avoir des tonnes de jeux qui me plaisent beaucoup, des tonnes de jeux auxquels j'ai joué déjà, etc. Et je me dis, oh mais ça va trop leur plaire, ou... et je peux pas les présenter parce que simplement il n'y a pas assez de temps. Et du coup, du temps, il faut en créer. Donc on va le créer, je pense, le lundi soir, pour présenter des jeux. Alors j'aurai pas forcément toujours des jeux nouveaux à vous présenter. Du coup, il est possible que parfois on utilise le lundi soir pour continuer des jeux, ou enfin, avancer des let's play, quoi, bêtement. Mais je pense que le lundi soir, ce sera un créneau, du coup, pour... le plus possible en tout cas vous présenter les nouveaux jeux. Mais c'est vrai qu'après il y a aussi la sortie des autres jeux. Et donc voilà, si Necro sort, évidemment on fera un let's play découverte le lundi, mais il est possible qu'il sorte un mercredi et donc on va y jouer. On va curer le jeu en boucle tous les jours. Du coup c'est Starbound qui va être laissé un peu de côté, etc. Enfin bon. C'est très difficile, hein. Il y a très peu de temps et vraiment trop de jeux. Trop de jeux, trop bien. Trouvez personnellement le jeu Escape de Pacific très reposant. Alors Escape, on va pas le lâcher. Escape, on y reviendra régulièrement parce que je suis en contact pour le coup avec les développeurs et c'est... Même si pour le coup la clé était pas gratuite, les gens sont très sympathiques, très aimables et voilà. Et on communique très très peu mais très bien. Donc j'ai envie de proposer ce jeu. En revanche, ce jeu est en alpha et du coup ça veut dire que à chaque fois qu'il y a une alpha différente, il n'y a pas forcément des grosses nouveautés, etc. Et relancer un let's play dessus, c'est pas forcément hyper intéressant par rapport au let's play d'avant. Donc ce que je fais, c'est que je continue de suivre le jeu et puis quand je me dis là ils ont accumulé assez de nouveautés pour qu'on puisse faire 2-3 épisodes, on refera. Et ainsi de suite jusqu'à la release. Et voilà, je crois pas qu'il y ait d'autres jeux en alpha là, actuellement sur la chaîne. Il y a des jeux que je suis qui sont en alpha ou en pré-alpha, mais que pour l'instant je peux pas simplement me payer. Donc, comme j'ai une trop de petite chaîne, ils veulent pas me filer de clés presse ou de démos préventives. Enfin, démos préventives, ça veut rien dire. De démos preview. Donc, je suis obligé de ronger mon frein un peu, mais je pense que. Voilà, il y a peut-être d'autres jeux qui vont arriver incessamment sous peu quand même. Avant même les grosses attentes quoi. Mais ouais, Escape de Pacific, c'est vraiment un jeu que je trouve. C'est de la survie, mais de la survie un peu plus. C'est pas de la survie challenge, genre tu vas avoir un boss, etc. quoi. C'est toi face à toi-même, face à tes noix de coco et face à ton... Il n'y a aucun besoin d'aller pour l'instant voir ailleurs. Alors il y aura sans doute une histoire, un scénario, etc. Mais c'est vrai que l'ambiance est hyper bonne. Pierre, n'hésite pas à proposer les jeux qui te font envie sur Discord. Bah écoute, je les propose à Steam en liste de souhaits, quoi. Mais c'est ce qui me permet de les suivre en fait. Enfin, c'est pas ça qui me permet de les suivre. Je suis inscrit sur les emails, etc. des sites. Mais ça me permet d'avoir un œil
Parce qu'il y en a plusieurs et du coup ça arrive aussi d'oublier l'existence d'un jeu, même qu'on aime beaucoup, parce qu'on est focus sur d'autres. Et je sais que bah justement en parlant de focus sur d'autres, on a par exemple l'éditeur Focus qui est hyper doué dans sa communication, qui nous sort des jeux la veille de la sortie, un trailer quoi. Et donc ce genre de jeu, bah voilà, faut bien penser à les mettre dans les listes de souhaits et tout si on veut avoir les infos parce que. Et à cocher le truc suivre et à regarder les forums. Parce que sinon on loupe les infos quoi. Mais en vrai les dernières infos elles sont pas du tout sur Steam, hein. Elles sont sur les Discord, sur les forums, sur les. Clairement, alors c'est pas du travail de journaliste, je fais pas de l'investigation, je vais pas faire des interviews avec les développeurs, etc. Mais clairement, c'est un petit goût de ça quand même, parce que, il faut aller sur les Discord, faut aller les brancher personnellement, poser des vraies questions, enfin. À commencer par est-ce que j'ai le droit de streamer et qu'est-ce que vous voulez que je diffuse pas ou que je mette comme avertissement sur le truc. C'est l'Élise Lucet du jeu vidéo, mais j'aimerais tellement. En vrai. Alors on est tellement hein, sur Twitch, etc. que devenir journaliste jeu vidéo, c'est complètement improbable. Mais c'est vrai que c'est clairement un truc qui me plairait quoi. Après j'aurais un problème quand même, c'est que journaliste jeu vidéo, ça veut dire couvrir des jeux de merde. Entre autres. Et ça c'est vrai que j'aurais beaucoup beaucoup de mal à comment dire. À faire sentir qu'un jeu est bon alors que je le pense pas, je crois que j'aurais vraiment trop de mal à le faire. Et que ce serait un vrai problème pour le journal en question. Du coup, ça n'arrivera jamais. Pour cette simple raison déjà. Mais ouais, ce que je peux faire pour les jeux que je croise et qui me paraissent vraiment bons, c'est clair que je vais. Bouger les développeurs, leur casser les couilles en mode groupie, vous en êtes où, on peut faire quoi, on peut aller où, est-ce que vous acceptez de me filer des clés, etc. Sans pitié quoi. Sans pitié, alors si j'avais les sous, évidemment j'achèterais les jeux, je ferais pas chier, mais il se trouve que je les ai pas donc. Enfin, je suis obligé de choisir, quoi. Ouais, c'est ce que tu dis, hein. Enfin voilà. Jeux vidéo, journalistes, etc. Faudrait couvrir des Fortnite. Alors attention, Fortnite, dans l'absolu, ils font du bon travail pour ce qu'ils ont à faire. Mais c'est clairement pas un jeu qui m'intéresse. C'est pas un jeu que j'ai envie de de mettre en avant. C'est pas un jeu qui, selon moi, est bon pour les gens. Et ben, un journaliste, va devoir le mettre en avant parce que c'est ça qui va sponsoriser son journal, quoi. Et donc, se vendre pour ça, c'est comme dans tous les domaines, de toute façon. Moi j'ai beaucoup de mal à le faire. Je suis capable de le faire un petit peu, mais au bout d'un moment ça finit par se voir que je fais semblant. Et du coup c'est pas bon pour. Enfin c'est mauvais pour personne. C'est mauvais pour tout le monde, pardon. Pas bon pour personne. Pas bon pour tout le monde. On va y arriver. Voilà, mettez cette phrase dans l'ordre que vous voulez. Le premier à mettre la phrase dans l'ordre gagne 50 croquettes. Alors les gars qui défendent Epic Games alors qu'au final c'est une entreprise de merde. Alors pour le coup je sais pas du tout, c'est vrai que j'ai déjà entendu ça. Je sais pas du tout quel est le problème avec Epic Games. Moi ce que je vois c'est qu'ils filent des jeux gratuits toutes les semaines et des jeux pas dégueulasses du tout. Donc pour l'instant bah, je récupère les jeux. Voilà. De toute façon j'ai pas les thunes pour acheter leurs jeux, j'ai pas envie. Bah, y a peut-être des jeux qui sont très bien, je connais pas tout le catalogue Epic Games. Mais je sais que bah, la semaine dernière il y avait Kingdom qui est un très très bon jeu indé. Cette semaine c'était Hunter the Gungeon qui est un excellent jeu aussi. Donc n'hésitez pas à aller les récupérer, c'est gratos. Toutes les semaines ils vont en sortir un gratos. Après voilà, Epic Games, je sais pas du tout quel est le contentieux qu'il y a avec eux. Et une politique à chier. Alors j'entends aussi beaucoup, hein, là bah justement, les deux jeux que je suis en alpha, qui a pas de. Je peux pas vous présenter encore, etc.
Ces deux jeux-là cherchent des alternatives à Steam. Ils en disent pas plus, ils disent juste on va mettre le jeu sur Steam, mais si on est capable de proposer une alternative, on le fera. Donc ils font évidemment le Kickstarter, etc. Mais je crois qu'ils cherchent aussi autre chose. Après bon voilà, personnellement j'ai rien contre Steam ou Epic ou n'importe qui, je sais pas, je suis pas dans les petits papiers justement des politiques bonnes ou mauvaises. Simplement je vois que Steam pour les développeurs c'est quand même un. Ça a été en tout cas à une époque un hyper bon outil de développement. Parce que eh bien, les petits développeurs pouvaient exister, enfin, et vendre leurs jeux, etc. Maintenant, il paraît que donc voilà, il y a tellement de trucs que les petits développeurs sont finalement plus si mis en avant que ça parce que bah voilà, noyés dans la masse des petits développeurs, le problème redevient le même. Mais c'est vrai qu'il y a un autre truc qui est hyper hyper cool, c'est la centralisation de tout ça parce que même si comment dire, dans l'idée de centraliser, il y a la mauvaise chose de ça peut se normer. Mais il y a aussi la bonne chose de l'information est quand même un peu plus facile à avoir. Parce que là, par exemple, moi je suis en train de courir tous les sites, tous les forums, etc. pour justement ces alphas, ces machins, ces trucs, pour essayer de pour moi-même déjà trouver du contenu intéressant. Et pour vous, bah, vous proposer des trucs un peu innovants aussi. Et par rapport aux autres chaînes aussi qui traînent autour de mon environnement, et bien proposer quelque chose de différent. Parce que voilà, on est nombreux à jouer à Darkest Dungeon, à Blood Bowl, enfin, on fait tous les mêmes jeux, c'est un peu relou quoi. C'est un peu relou parce que j'imagine qu'on n'est pas les mêmes personnes pour autant, mais ça tourne un peu en rond. Et si les jeux sont très bons et si c'est très bien de les mettre en avant et d'être plusieurs à le faire, et ben j'aime aussi proposer des choses différentes, peu importe les domaines dans lesquels je tape. Donc voilà. Et c'est vrai que Steam est aussi une passerelle de centralisation d'informations où c'est plus facile de trouver des infos nouvelles à condition de savoir les chercher. Ça veut pas dire que l'info est meilleure et de meilleure qualité qu'en allant directement chez les développeurs en envoyant un mail et en parlant avec eux, mais ça permet d'avoir un œil rapide sur ce qui existe en fait. Et c'est vrai que cette plateforme-là, pour le coup, est hyper bonne pour ça. Mais du coup, évidemment, j'imagine que ça facilite aussi les abus et les. Bah, c'est toujours le même problème, quoi. Quand un truc est bon, il est récupéré pour des mauvaises choses et après, ben, c'est aux gens de décider s'ils veulent céder à ça ou pas. Et en général, l'argent décide pour eux. Alors effectivement, il y a ça qui est voilà pour comment dire. Alors on peut se dire peut-être qu'à la place d'Epic Games, comme Steam est quand même hyper puissant dans son domaine, c'est sûr que s'ils imposent pas de l'acheter juste chez eux, les gens vont probablement l'acheter sur Steam et rester sur Steam et pas aller sur l'Epic. Donc c'est clair que ça peut. Enfin comment dire. C'est pas anormal qu'ils proposent ça, mais c'est vrai que c'est. Pour le coup, c'est vrai que j'irai pas acheter Borderlands 3 là-bas, quoi. Clairement. Mais je comprends pourquoi ils le font aussi. Enfin, mais c'est vrai que c'est pas une bonne idée. Il ferait mieux de négocier des contrats avec Steam plutôt et de tous profiter de cette plateforme déjà en place. Ce serait quand même un peu plus intelligent. Mais après, voilà, effectivement, comme tu dis, l'argent reste roi dans son dans son domaine. Si tu proposes un prix moindre, bah, les gens vont aller là-bas, simplement. Mais c'est vrai que, bah, par exemple, c'est le Origin qui propose des prix, mais encore plus cher que... Origin, c'est le truc de EA, et c'est vrai que les prix sont ouf, quoi. Et ça donne encore moins envie d'y aller. C'est... Déjà se dire, bon alors j'ai 4 logiciels différents, j'ai Origin, j'ai Uplay, j'ai Steam, j'ai Epic Games. 4 softwares qui veulent se lancer tous en plus au démarrage, donc il faut aller leur dire non. Toi tu te tais, tu restes fermé jusqu'à ce qu'on te demande. Donc déjà ça vous pourrit la vie au quotidien alors que vous avez rien demandé. Et c'est vrai qu'en plus de ça, voilà, faut
C'est pas pratique, quoi. C'est pas pratique. Celui qui va faire du blé, c'est celui qui va se dire « Ok, moi je vous propose une plateforme qui réunit toutes les plateformes. » Et puis après, il y aura une plateforme alternative à celle-ci qui va... Mais non, pas comme d'hab, quoi. Je connais le principe. Typiquement, Uplay propose la franchise Assassin's Creed, mais tu peux aussi le trouver sur Steam. Ok. Alors ça, je ne savais pas. Parce que Assassin's Creed, pour le coup, c'est pas du tout mon rayon. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié de faire la petite pause des 200 cycles? Mais si, tout à fait. Et on va faire autre chose, c'est qu'on va regarder... Où est-ce qu'il est? Il est là. Il est là, notre ami Karz. Parce que, eh bien, dans 3 cycles, il va avoir 200 cycles. Incroyable, donc cycle 204. Alors on va se faire une petite pause ici, juste 2 minutes, je vais reprendre un café, etc. On se retrouve pour un dernier épisode sur Oxygène. Et puis on va fêter l'anniversaire de Karz. Voilà. Allez, à tout de suite.